La route des rioux, à son terme, se prolonge le chemin herbeux, au bout duquel s'élève à droite une jolie sente. Après une solide montée, elle finira par s'étaler, dominant le vallon boisé. J'ai ramassé pour mon frère pendant la guerre. Elle finira par le rejoindre, puis à le couper pour attaquer en montée sa rive droite. Elle va en se redressant pour avaler la pente. Mais après avoir dessiné un lacet à gauche, son cours se trouve soudain encombré par la chute d'immenses hêtres. Vaine tentative de surmonter cet obstacle par la gauche. Alors, nous attaquons directement la pente pour aller retrouver une trentaine de mètres au-dessus la route pastorale. Après ce passage sportif, la descente des 1300 mètres de celle-ci sera de tout repos. Arrivé à la ruine de l'écurie des Templiers, avec son bel horizon élargi. De là, un sentier encaissé dévale longuement la pente boisée. Elle ramène directement à notre parking, au-dessus du bâtiment et chevalement de la mine de charbon, fermée en 1986.